guerre par armes à feu, une quarantaine d'années, avec un impact au niveau thoracique, avec un emphysème sous-cutané. Donc, il est presque en état de choc. Le plus, c'est des blessés liés au conflit intercommunautaire. Et en ce qui concerne les militaires, c'est des blessés soit par engins explosifs improvisés ou bien des blessures au cours des combats.